Pues hoy, excepcionalmente, tenemos dos invitados, los codirectores de Amigos, Eric Toledano y Olivier Nakache, con una sencilla pero profundamente conmovedora historia de amistad entre un rico hombre discapacitado y su rebelde ayudante, lograron llegar al corazón del público de Francia y de los más de 40 países donde ya se estrenó. Amigos, es hoy en día la película más taquillera de Francia y el éxito europeo del año. Un verdadero fenómeno cinematográfico universal que tuvimos la oportunidad de comentar con sus directores en una entrevista excepcional entre París, Tel Aviv y México. Muchas gracias, Olivier, allá en Tel Aviv. De nada. Hola, hola Eric, en París. Muchas gracias de recibirnos así en su intimidad, en su casa, ¿no? Pues, ¿qué historia todo el camino de esta película? Es un exitazo increíble. On n'en revient pas, voilà, de parler avec vous déjà là comme ça par Skype, avec pour le public mexicain, c'est encore une cerise en plus sur les nombreux gâteaux qu'on a eus. Aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'on a fait 1 million d'entrées en Hollande. Il y a 2 semaines, on apprenait que Barack Obama avait demandé le film à la Maison Blanche. Donc je veux dire, est surprenant et ne cessera jamais de nous surprendre. Bueno. Creo entender que tienen todavía un objetivo que sería ser la película francesa más taquillera en el mundo de la historia. ¿Quieren tomar el lugar de Amélie? C'est pas notre objectif, c'est peut-être l'objectif de nos distributeurs et des gens qui sont dans la compétition et qui scrutent les tableaux. Mais nous, c'est pas du tout un objectif. Mais en tout cas, c'est vrai que partout où on passe, on nous compare à Amélie qui a fait un énorme succès en dans le monde entier. Et d'ailleurs, on a croisé Jean-Pierre Jeunet à Montréal. Il vous déteste? Qui nous disait je surveille. C'était très 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 amical. El éxito mundial de la peli tiene que ver con la universalidad de sus temas, pero no es universal. No todo el mundo sintió lo que es ser discapacitado. Pour nous, on a peut-être ce mérite-là avec Olivier, c'est d'avoir choisi cette histoire, de l'avoir choisi entre autres et de l'avoir traduite, parce qu'elle était plus brute quand on l'a rencontrée, mais elle comporte en elle quelque chose d'éminemment généreuse et moderne, qui est la différence de regard qu'il peut y avoir entre deux personnes et qui peut changer le monde. Donc c'est vraiment un film sur le regard, comment regarder l'autre. Et comment essayer de s'enrichir par quelqu'un que l'on pense très très loin de nous. Et qui est la preuve finalement qu'on n'a pas besoin d'aller chercher dans des super-héros des histoires dingues pour faire venir le public dans les salles. Et quand on ouvre notre ordinateur et qu'on a des messages sur Facebook, et quand on a des messages de public aussi divers que du Kazakhstan, de Corée, d'Allemagne, de Hollande, de tous les pays du monde, on se dit qu'on a touché vraiment le monde entier. ¿No son un poco irresponsables? Porque qué audacidad de pensar hacer reír todo el mundo de un tema tan grave. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était totalement inconscient. Mais quand on a vu le vrai Philippe Pozzo di Borgo, c'est-à-dire celui qui a inspiré le personnage de François Cluzet, la rencontre nous a impacté, Olivier et moi, de façon... Et quand on a été voir Philippe Pozzo di Borgo au Maroc, avec nos idées et avant même d'écrire le film, il nous a dit, voilà, on m'a déjà contacté pour faire des films, j'ai toujours refusé, mais vous, je sens que vous allez faire marrer les gens. Et c'est ça que je veux. Je veux que vous fassiez marrer les gens. Moi, je demande de voir ça. J'ai envie de voir ce que vous me racontez sur ma vie, sur mon histoire. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir les gants en latex. J'ai envie qu'on me dise pas de bras, pas de chocolat. J'ai envie de ça. Et on s'est rendu compte que finalement... que les personnes invalides ou qui vivaient la même situation ont été les premiers à soutenir le film à cause du ton qui était utilisé dans le film. De una cierta manera, todo se trata de amistad. Sus películas son body movies desde el inicio hasta esta, y ustedes son cuates de toda la vida. Oui, c'est vrai, c'est notre histoire à tous les deux. L'histoire d'amitié nous intéresse forcément, et cette histoire d'amitié improbable, nous, on est très différents. Physiquement, on est moins différents que Cluzet et Omar, mais on est très différents dans le caractère, et je crois qu'on est même à l'opposé. Mais aujourd'hui, on ne peut pas être l'un sans l'autre, et c'est ça qui est intéressant. ¿Cómo trabajan? Por ejemplo, son
como los hermanos Dardenne, que uno va a dirigir, el otro toma distancia para ver y intercambian así, o más como los hermanos Coen, en donde uno es más especializado en algo y el otro en otro. Duo qui fonctionne sur une énergie et l'énergie elle est entre les deux. Donc il n'y a pas du tout de spécificité, on y va tous les deux ensemble. C'était le deal de départ, on avait envie de profiter de tout et il n'y avait pas de spécialité. Pues muchas gracias Eric, muchas gracias Olivier y merde por la carrera mexicana de la película. Comment on dit en espagnol? Mierda. Bah oui. Voilà, d'accord, je Allez, prends. au revoir. Au revoir. Vous n'allez pas acheter cette croûte-là 30 000 euros? C'est pas possible ça. Bah si, si, c'est possible. Mais le mec, il a saigné du nez sur un fond bleu, il demande 30 000 euros. Dites-moi, Adrice, à votre avis, pourquoi les gens s'intéressent à l'art? Je sais pas, c'est un business? Non. Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. Une connerie, ça, Philippe. Moi, pour 50 euros, je vais chez Casto et je vous la fais, la trace de mon passage sur Terre. Je vous mets même du beurre au bonus, si vous voulez. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi. Donnez-moi un chocolat. Non.